très belle carpe là, vous la verrez pas, mais elle est immense. Bon là c'est un spot à silure, hein. Il n'y a pas tortillé. J'en vois pas, je vais aller clonquer direct. J'ai déjà perdu beaucoup de temps à tenter la carpe, mais elle veut rien savoir. On met les verres et c'est parti. Ouh, les verres, ils ont pas l'air en forme, hein. Enfin bon, ça suffira bien. Ça donne ça. C'est bien ça. Allez. Le gant. On va le mettre tout de suite. Il fait froid ce matin. Il fait froid. Hein. Le frein. Oh, le frein, il sert à bloc. Le clonk là avec moi. C'est parti. Il n'y a pas grand chose qui bouge. Punaise, là il y a un trou, mais il est magnifique. On dirait carrément un nid, ça fait comme un nid quoi. On va aller voir. Descends en étant discret si c'est possible. Là aussi, il y a un arbre couché dans l'eau là. Alors pareil, quand je suis à hauteur, je vois bien. Mais alors quand je suis au bord de l'eau, je vois que dalle quoi. Ah, c'est pas mal du tout. Par contre, si ça mord, ça risque d'être sport. C'est de faire sortir un gland de tout ce secteur. Hein. Putain, je crois que j'en vois un. Il y en a un juste là, sous le verre. J'ai même pas eu besoin de clonquer. Yes! Oh, il est pas gros, mais. L'heureux hasard, quoi. L'heureux hasard. Oh, il est pas gros, mais. Yes! Allez, je vais pas faire durer le combat, tout simplement parce que la zone est vraiment pas mal. Je vais l'extraire par là. Il est petit. Il est petit. C'est carrément plus facile avec du matos de bourrin. Hein. Voilà. Alors je comprends pas. Je comprends pas comment il s'est piqué. Il doit faire un mètre à tout casser. Allez, va bonhomme. Je te retiens pas plus longtemps. Petit bonhomme. J'ai vraiment du mal à comprendre. Il a dû se piquer une première fois là, après une autre fois là, je sais pas. Allez, va. En tout cas, il m'a bien rappelé l'autre main là. Allez, va. C'est parti. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai même pas eu besoin de clonquer. Vraiment un heureux hasard quoi. Oh là là, je pisse le sang, mais. Chose de bien. Hein. J'ai voulu le prendre avec l'autre main pour faire un peu le kéké et voilà quoi. Je fous du sang partout. Peut-être que ça va tirer les cellules, hein, je sais pas. On va voir. Étant donné que je saigne, bah, j'en profite, hein, je mets un peu de sang sur le sur les verres, je sais pas du tout. Ah ben dis donc, mais ça pisse hein. Qu'est-ce que j'ai foutu. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai voulu vraiment faire mon kéké. Bon, on va voir s'il n'y en a pas un autre.
putain, il y a une sacrée masse au fond de l'eau là. Là ça risque d'être très sport. Hein. Pourquoi il prend pas les verres? Il a pris les verres. Et ça c'est plus gros. Oh oui. Ça c'est plus gros. Putain. Perte de contact à la totale quoi. C'est fabuleux. Je sais pas où je pourrais l'emmener. Ah, ça pue par là. Là ça pue un peu. Allez, viens là. Viens là. Un peu. J'ai mis une sacrée pression. Oh oui, c'est mignon. Peut-être que je l'emmène par là. Putain! C'est ce que je voulais, je l'ai eu. Il est là. Putain, le câble. Il y en a. Non. Non, non. Viens par là. Viens par là. À gauche. Il faudrait qu'il aille à gauche. Il est pas bête, hein. Qu'est-ce que c'est pas bête comme poisson. Ah, j'ai eu raison d'assister sur le spot, hein. Même pas 5 minutes après quoi. Incroyable. Voilà. Oh merde. Ah non. Voilà. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée que j'ai eue. Merde, c'est une mauvaise idée. Il y a moins de branches. Il y a plus de courant, mais il y a moins de branches. Vache. Oh. Oh mais il m'emmène avec lui. Oh là là. C'est fou ça. Allez, viens là. Voilà. Allez, viens. Non. Putain. Je sais pas si c'est le sang sur les verres qui l'a tiré, mon sang, mais... Putain, en tout cas, il y a la niaque. Hein. Putain. Allez, viens.
est fatigué. Moi aussi, ça tombe bien. Il sort pas la gueule de l'eau, il n'y a rien à faire. Quand il la sort, il est loin de moi, quoi. Voilà. Putain. Puissance. Je l'ai. Ouh. Superbe. Regardez-moi ça. Yes! Splendide! Allez, bon, je l'ai descendu finalement parce que voilà, elle est quand même bien mieux dans l'eau. Pensez aux poissons un petit peu. Beaucoup pêcheurs. Alors. Aïe! Oh putain, mais il pince pendant que je le mesure! T'as bien raison. 1m50 et puis là, oui, c'est vraiment un Jean-Michel à peu près. Oh putain, 1m73, pas record battu. Yes. Ah mon bonhomme. Wow. Magnifique. Allez. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est nerveux. Bon ben voilà, je sais ce que ça fait un gros silure maintenant. Wow, ça fait quelques dégâts mais oh, super combat, super poisson. Ouh.